un truc très rigolo qui s'appelle le yo-yo, que je suis très heureux de jouer quand je peux. Et pour cela je suis verni, ma femme ayant appris ce petit jeu charmant. Le pratique à droite encore ma zézette yo-yote en se servant de sa menotte. C'est délicieux, je trouve ça merveilleux. Quand dans sa petite main fine, elle attrape la bobine, pendue en deux, elle en fait ce qu'elle veut. Elle la quitte de la main, puis la reprend soudain, comme si elle tirait le bout d'un caoutchouc. Quand ma zézette yoyote, ce petit jeu la bobote, surtout des fois, elle en joue avec moi. Elle n'a pas besoin d'expliquer que c'est plus compliqué, il faut bien se méfier de ne pas s'en mêler. Ma partenaire me dit pourtant, car on s'en mêle souvent, que ce n'est pas dangereux que le fil façonne quand ma zézette yoyote, en se servant de sa menotte. C'est délicieux, je trouve ça merveilleux. Quand dans sa petite main fine, elle attrape la bobine, pendue en deux, elle en fait ce qu'elle veut. Elle la quitte de la main, puis la reprend soudain, comme si elle tirait le bout d'un caoutchouc. Quand ma zézette yoyote, ce petit jeu la bebotte, surtout des fois, elle en joue avec moi. Quelquefois, après plusieurs coups, le fil étant à bout, l'appareil reste en bas, mais elle ne s'en fait pas. Avec un geste très subtil, pour en rattraper le fil, elle a tellement doigté qu'il est vite remonté quand ma zézette yoyote, en se servant de sa melotte. C'est délicieux, je trouve ça merveilleux. Quand dans sa petite main fine, elle a repris la bobine, pendue en deux, elle en refait si elle veut. Elle la quitte de la main, puis la reprend soudain, comme si elle tirait le bout d'un caoutchouc. Quand ma zézette yoyote, ce petit jeu la bobote, je voudrais passer ma vie à yoyoter.